Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir la base freinée parce qu'on aura besoin dans les cours prochains, Inch'Allah. Donc, je vais écrire le titre base freinée. Cette base est utilisée dans le cas d'étude des mouvements curvilignes. Il est constitué de deux axes, un axe tangentiel et un axe normal N. Donc en général, cette base elle est écrite de cette façon: O, l'origine, U, T, qui est le vecteur unitaire tangentiel, UN, le vecteur unitaire normal. Maintenant, on va passer pour voir comment représenter cette base. Donc, représentation de la base freinée. Je vais prendre un exemple. Voilà la trajectoire du mouvement d'un mobile. Je vais représenter la base dans un point quelconque. Par exemple, prendre ce point M. Donc, pour représenter la base freinée, on commence toujours par la représentation du vecteur unitaire UT. Le vecteur unitaire UT, il est tangent à la trajectoire dans le point considéré. Dans notre cas, le point considéré, c'est M. Je vais représenter le vecteur tangent à la trajectoire dans le point M, mais avant de commencer ce travail, je devais faire attention au sens de mouvement de mon solide. On prend ce sens, le sens positif. Ça veut dire que mon mobile se déplace le long de cette trajectoire de gauche vers la droite. Maintenant, je peux dresser le vecteur unitaire UT tangent à la trajectoire dans ce point-là et dirigé dans le sens positif du mouvement. Voilà la tangente. S'appelle UT. Tangent à la trajectoire et dirigé dans le sens positif du mouvement. Pour la présentation du N, c'est facile. C'est un vecteur perpendiculaire à UT. Dirigé dans l'intérieur de la convergence de ma trajectoire. J'ai ici une courbure. Le centre de la courbure va se situer quelque part ici. Donc je vais dessiner un vecteur perpendiculaire à UT dirigé vers le lieu où peut exister le centre, ça veut dire l'intérieur de la convergence. Donc je vais dessiner ce vecteur qui a le nom N. Dirigé à l'intérieur de la courbure. Je vais prendre un autre exemple. Voilà un autre cas d'un mouvement curviligne. Ce cas-là, c'est un mouvement circulaire. Je vais représenter ma base freinée. Je vais prendre, avant de commencer la représentation de ma base, je vais prendre ce sens de mouvement. Ça veut dire, mon mobile, dans ce cas-là, se déplace le long de cette trajectoire qui effectue, ça veut dire, effectue un mouvement de rotation dans ce sens. Je vais prendre un point N ici. Pour la représentation, on commence toujours par la représentation du UT, qui est un vecteur tangent à la trajectoire dirigée dans le sens de mouvement. Voilà la tangente dirigée dans le sens du mouvement. Ça s'appelle UT. UN, c'est un mouvement, c'est un vecteur normal UT dirigé à l'intérieur de la courbure. Ça veut dire dirigé vers le lieu où existe le centre. Donc le centre de la courbure, ce sera à l'intérieur de ça. Je dessine. Voilà mon UN. Vous avoir.
représenter ma base freinée dans ces deux cas, je vais passer à l'étape suivante. Expression. Expression de l'accélération. Dans la base freinée. Mon accélération dans cette base-là aura deux composantes, une composante tangentielle et une composante normale. Donc je vais écrire AG, vecteur AG égale à la somme des deux composantes AN plus AT. Il peut s'écrire de cette manière, la valeur, le module AN multiplié fois le vecteur unitaire UN, plus le module AT multiplié fois le vecteur unitaire UT, avec, pour AN, c'est V au carré sur R. C'est une formule donnée, on n'a pas besoin de la démontrer. AT, c'est la dérivée du V par rapport au temps. Donc, résultat, AG sera écrit sera de cette manière. AN, je la remplace par son expression qui est V au carré sur R UN plus AT qui est la dérivée du V par rapport au temps multiplié fois le vecteur unitaire UT. Je vais cadrer mon résultat. Donc, pour nous, en ce qui concerne la base freinée, je devais être capable, premièrement, de dresser ma base dans un point quelconque et écrire ça, son expression, qui est AG V au carré sur RUN plus D de V par rapport au temps UT. Donc, c'est fini pour le sujet de la base freinée.